Monsieur le Speaker, honorable leader de l'opposition, honorable leader des affaires gouvernement, bonnement honorable et tout le monde public qui a l'écoute. Bon après-midi. Pandémie COVID-19, pareil nous tous nous connaissons, peut continuer à avoir un impact sur les individus, le business et l'économie en général. Depuis l'année passée, la Banque centrale peut implémenter plusieurs mesures pour soutenir le secteur bancaire et l'économie pays, avec bi assurer que nos systèmes financiers restent stables. Nous rappelons qu'il y a parmi les premières mesures qui borde la Banque centrale a approuvé en mars 2020, il estime la valeur 500 millions de roupies pour assister les petits business qui tombent dans la catégorie qui nous appelle MSMEs, qui sont revenus annuels pas dépasse 25 millions de roupies. Sa scheme, qui peut être administrée par 7 la Banque commerciale, la Banque de développement CCL et Seychelles Credit Union, qui aussi joint tout récemment, il permet de bon business de gagner l'assistance financière à un taux d'intérêt fixe 1,5% par an. Client, il y en a un maximum 3 ans pour repayer les loans, avec sa option pour gagner un moratoire, le repayement somme principale et aussi l'intérêt. L'état sa scheme t'a approuvé en mars 2020, sa moratoire t'y pour aider une période 6 mois. Depuis que sa première scheme t'y vient opérationnelle, la Banque centrale peut joindre régulièrement avec le secteur privé à travers la Chambre de commerce et l'industrie, SCCI, ensemble avec l'institution qui peut participer, pour gagner d'autres commentaires et pour aussi plus bien comprendre les défis que le business peut rencontrer en vue de sa situation COVID-19. À plusieurs reprises, il y a une bonne proposition qui gagne mettre devant pendant sa bonne interaction. En juin 2020, le bord de la Banque centrale qui considère et approuve des demandes pour qu'il y ait un scheme séparé, la valeur 750 millions de roupies pour un gros business qui a revenu annuel et plus de 25 millions de roupies. Pour ça, un scheme qui peut être administré par 6 la banque commerciale, un business est capable de gagner un financement à un taux d'intérêt fixe 4,5% par an. Le bord de la Banque centrale est aussi approuvé pour qu'il y ait un moratoire 12 mois de repayement, son principal et l'intérêt de loan pour sa scheme pour un gros business. Une décision qui est aussi bien applicable pour sa scheme pour un MSME. Jusqu'à le 17 mai 2021, la banque, DBS et SCU qui peut administrer la scheme pour un MSME, il recevoir un total 399 l'application, côte 247 infini gagné approuvé pour la valeur un petit peu plus que 106 millions de roupies. Le côté scheme pour un gros business, ben la banque il recevoir un total 29 l'application, côte là-dedans 21 infini gagné approuvé pour la valeur un petit peu plus que 243 millions de roupies. En mars à l'année, bon de la banque centrale qui prend décision pour prolonger la période de l'application en bas tous les schemes jusqu'à décembre 2021. Pour noter que les autres institutions qui ont fait faciliter le crédit sont capables de décider pour eux aussi administrer ça des schemes tant qu'ils ont un accord ouvert. Toujours dans son rencontre en mars, le bord de la Banque centrale a approuvé certaines nouvelles propositions faites par le secteur privé et les institutions qui peuvent administrer ça des schemes. Ça y inclut prolongement période moratoire, le repayement somme principale et l'intérêt, le loan, pour un maximum 18 mois. Ça, il veut dire qu'un applicant qui déjà en a facilité crédit dans sa scheme, il automatiquement gagne encore 6 mois ajoutés dans une période moratoire. Pour nouveau l'application, moratoire, il reste 12 mois et ça 6 mois additionnels, il est capable de considérer basé l'analyse de l'institution qui peut administrer sa scheme. Sa bonne révision, il y en a pour bi donne plus de support au bon business qui peut faire face avec contraintes revenus en résultat de l'impact de sa pandémie. L'assistance, il pas juste pour autres, l'aspect opérationnel, mais aussi pour les autres dépenses telles qui pour implémenter un programme de formation pour aider travailleurs à redéployer dans certaines nouvelles fonctions, ou soit pour introduire une nouvelle technologie pour être capable d'adapter avec les différents changements qui situation nouveau normal inaméné, qui dans certains cas nécessite un investissement assez substantiel,
ainsi qui bonne dépense qui en a pour faire avec l'implémentation bonne mesure qui nga met en place par le ministère de la santé. Pour le moment, repayement l'assistance financière qui gagne donné ambassade de scheme est capable d'étaler l'un période maximum 3 ans. Mais prenant compte des demandes sorties du secteur privé, ben l'institution qui peut administrer sa des scheme et aussi son propre analyse de situation économique, l'incertitude qui en a le niveau mondial et domestique vis-à-vis de quantité de temps qui pour prendre pour une activité économique capable de répondre et pour l'économie capable de retourner à son niveau normal, bord la Banque centrale, il considère proposition pour que sa période de paiement y gagne prolongée. Pour noter que c'est en bas provision sans la loi qui permet de lui donner loan ou soit d'avance dans la banque commerciale et les autres institutions financières basées sur le développement qui arrive dans l'économie, que la Banque centrale établit sa scheme pour assister le business. C'est pour sa raison que l'Assemblée nationale peut demander pour considérer l'amendement section 29A dans la loi la Banque centrale pour permettre lui, dans un cas force majeure, capable d'un loan ou soit d'avance dans la banque commerciale et que les autres institutions financières pour un durée pas plus que 8 ans au lieu qui pas plus que 3 ans pareil la loi y prévoit actuellement. Ça l'amendement pour permettre la banque DBS et SCO prolonge période de repayement loan qu'ils ont pu donner bon business. Et aussi on a un autre amendement ça y concerne section 41 et il y en a pour bien assurer que changement qui a été fait dans sa section la loi la Banque centrale en avril l'année passée pour permettre lui acheter un instrument financier gouvernement dans un cas force majeure il vient plus clair. L'amendement qui peut être proposé il fait que tout bonne forme l'instrument financier gouvernement qui est applicable il est spécifié et ça y inclut treasury bills, treasury bonds et aussi bonne bond qui gouvernement il garantit de la part une institution publique. Ça peut être fait pour éviter aucun malentendu, l'instrument financier qui la Banque centrale est capable d'acheter d'un cas force majeure. Monsieur le Speaker, avec ça, mon propos, ça un amendement de la loi de la Banque centrale et moi aussi demande support tout bonnement.